Salut à tous, c'est Vertex, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va tranquille. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Obscure Clan, présentée par moi-même. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Et aujourd'hui un très gros gameplay vous est proposé par l'Obscure et qui vient du joueur iShotgun. Aujourd'hui il vous propose une double nucléaire express en solo, et je précise bien en solo, en une manche. Donc vraiment énormément de kills en si peu de temps. Vous allez voir, il y a du très très gros massacre. Donc iShotgun était dans le mode de jeu domination hardcore. Donc aujourd'hui je vais vous faire un sujet qui je pense va beaucoup vous plaire, car tout simplement vous pourrez dire votre avis dans les commentaires. Donc c'est une question et moi-même je vais y répondre. Et la question c'est: quel serait le Call of Duty parfait? Donc je vous pose déjà la question à vous et après j'y répondrai moi-même. Mais voilà, mettez énormément de commentaires, je prendrai très plaisir à savoir vos avis. Est-ce que vous voulez dans un Call of Duty parfait, c'est-à-dire pour vous les meilleures armes qui pourraient être dessus, les meilleures maps, les meilleurs modes de jeu? Donc personnellement, dans les meilleures armes, j'aimerais beaucoup revoir toutes les armes mythiques de Call of Duty. Donc ça serait la FAMAS de Black Ops 1, les mutins de Black Ops 2, la MSMC de Black Ops 2, l'ACR de MW3, l'MP7 de MW3, ou alors encore l'AK-47 qui a été dans de très très nombreux Call of Duty et même repris avec des variantes comme la N94 et l'AK-12. Au niveau des snipers, pour moi, il est essentiel que dans un Call of Duty parfait, il y ait des snipers au top, comme sur Black Ops 2, MW3 et MW2. Donc pour moi, les snipers mythiques, qui sont pour moi indispensables dans un Call of Duty parfait, ça serait le Ballista, le DSR-50 avant le patch, le Barrett, le MSR, ainsi que l'intervention. Imaginez-vous un Call of Duty avec ces 5 snipers, je vais le redire, Ballista, DSR avant patch, MSR, le Barrett ainsi que l'intervention. Mais imaginez-vous tous ces snipers en un Call of Duty, ça serait vraiment le rêve parfait. Au niveau des modes de jeu, ça me ferait très plaisir qu'il y ait beaucoup de variétés et beaucoup de choix possibles, mais bien évidemment aussi un retour des modes de jeu 3v3, 2v2 et 1v1 comme sur MW3, car pour moi c'était une très bonne nouveauté, ces modes de jeu vraiment assez spéciaux on va le dire, mais vraiment assez sympathiques. Si vous voulez faire un 1v1 et en plus en ligne contre une personne que vous ne connaissez pas, ça peut toujours faire plaisir, voire même un 2v2, un 3v3 et j'en passe. Vraiment, ces modes de jeu sont plutôt particuliers et pour moi, ils sont vraiment très sympas et sympathiques et fun à jouer. Au niveau des maps, pour moi, les maps qui seraient dans ce Call of Duty parfait seront, bah, bien évidemment, celles emblématiques de Call of Duty, comme par exemple Nuketown de BO1 et BO2, mais pas BO3, car tout simplement, je trouve que le Nuketown de Black Ops 3 est vraiment, mais vraiment très raté, je ne l'aime pas du tout, mais le Nuketown de BO1 et BO2. Au niveau d'autres maps, la map terminale de MW2 et MW3 serait vraiment aussi indispensable dans un Call of Duty parfait. Une autre map qui me ferait énormément plaisir, c'est la map Hijacked et la map Red de Black Ops 2, qui étaient vraiment de très très grandes maps, soyons francs, pour ceux qui ont beaucoup joué à Black Ops 2. Et encore deux maps qui pour moi seraient vraiment énormes, ça serait la map High Rise de MW2, qui fait vraiment très très plaisir. Et oui, elle fait énormément plaisir et ça me ferait plaisir de le voir dans ce Call of Duty parfait. Mais aussi, et oui, il ne faut pas l'oublier, la map Rust. Pour moi, c'est une des meilleures maps de Call of Duty. Elle était présente dans MW2 et franchement, c'était le top. Si vous voulez faire des carnages, la map est très petite et vous pouvez faire un massacre. Si vous voulez jouer au sniper à faire des trickshots, c'est aussi une map idéale. Une map adaptée à tout type de joueur et qui faisait très très plaisir à l'époque. Donc voilà ce qui était un petit peu de tout ça, du multijoueur, du Call of Duty parfait. Et ben voilà, donc aussi n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, ça me ferait très plaisir comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Obscure de ma part. C'était Zertek, allez, ciao tout le monde.